Arc-en-Ciel est une ONG libanaise fondée durant la guerre. La devise d'Arc-en-Ciel, c'est avec et pour toute personne en difficulté. Et donc, en 2003, vu la difficulté des hôpitaux à traiter les déchets hospitaliers, Arc-en-Ciel a décidé d'entreprendre cette filière-là et de commencer à traiter les déchets hospitaliers au Liban. Et nous traitons à peu près 90% des déchets hospitaliers du Liban et à peu près 13 tonnes par jour. Nous avons décidé de choisir la technologie micro-ondes parce qu'environnementalement, elle est beaucoup plus efficace et beaucoup plus environnementale que d'autres machines. On a moins de consommation d'eau, on a moins de consommation d'énergie. De même, les odeurs qui émanent de la machine sont beaucoup moins fortes et beaucoup moins dérangeantes que les odeurs qui sortent d'autres machines. Pourquoi nous avons choisi Écostéril? Durant une foire médicale, et spécifiquement Medica 2016, une équipe d'Arc-en-Ciel a rencontré l'équipe d'AMB. Elle a vu la technologie, elle a appris la technologie, et donc ils ont ensuite visité plusieurs sites de traitement en France. Après le feedback des usines françaises de la machine, et parce que la machine a un coût de maintenance qui est moindre que les autres, nous avons décidé donc d'acheter cette machine-là et de l'installer chez nous dans nos centres. أنا صار لي 12 سنة بشتغل بجمعية أركونسيال لمعالجة نفايات طبية الحاملة خطر العدوى، واشتغلت بهالمجال على أكثر من مكنة، ومؤخرا اشتغلت على مكنة إيكوستيريل AMB. من فوائد هيدي المكنة سرعة بالإنتاج، زيادة الإنتاج، وحماية العمال بالتفريغ والتحميل بعدم لمس النفايات، والتشغيل الأوتوماتيكي بالتحميل والتفريغ، وعدم وجود الروائح أثناء العمل. Donc, pour moi, peut-être le futur idéal du traitement des déchets serait, premièrement, d'installer d'autres machines comme celle-ci dans nos centres pour remplacer les technologies anciennes, les technologies plus polluantes. Et de deux, peut-être investir plus dans la valorisation des déchets stérilisés et donc trouver une solution pour cette filière-là de déchets.